Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Europa Universalis 4 avec la Bourgogne pour l'héritage bourguignon. J'avais fait une bêtise dans le dernier épisode. Et j'avais essayé de vassaliser eux, sachant que j'avais déjà pris des provinces qu'ils considéraient comme légitimes. En 1679, ce sera plus légitime pour eux. Mais d'ici là, on devrait avoir vassalisé la France en 1679. Donc, ouais, c'est pas génial. C'est pas génial du tout. Bon, on va déjà légitimer. On a perdu. Putain, non, faut être français. Ils nous ont fait sauter un cardinal. Ouais. Une corruption de... Voilà, on va la faire partir rapidement et puis... Orléanais, oui, si tu veux. Voilà, ça va déjà aider ça, d'avoir une province en moins. Qui n'est pas légitimé. Ah, finalement, c'est bon, on récupère notre cardinal. On en a 4. Intéressant. Donc là, faudrait juste terminer de... d'avoir nos... de rembourser nos emprunts, pardon. Non, perdons du prestige. Un peu plus héroïste, pas grave. Regardons juste si je voulais attaquer... Aix-la-Chapelle par exemple. Indépendance garantie par Cologne. Ouais, l'Autriche vient. Si j'attaque Cologne par contre, l'Autriche vient pas. Par contre Cologne, bon Cologne nous déteste déjà de base. Ouais. On peut déjà faire ça. Du national d'impôt, oui, bon, je laisse aller, ok. Terre de l'État. Faut juste terminer de légitimer. Une éducation pour les pauvres. On gagne de l'innovation. En charolais, on prend de l'agitation. Elle est de combien? Elle est de moins 10. On peut prendre de l'agitation. Ok, les missionnaires à Gand, ça va être bon. D'ailleurs, ici, je pense que tout le monde est mince. Et Cato, on peut enlever l'édit. Et ensuite... Bruges, tu perds ton zèle religieux en 46. Gand, t'es Cato. Liège, t'es réformé et tu perds ton zèle religieux en 38. 8 ans encore. Bruxelles, 37, 39, 39, ok, encore 7, 8, enfin, entre 7 et 9 ans avant d'avoir d'avoir tout ça de Cato. Bon, lutte contre la corruption, mais c'est encore un mois et c'est bon. 2 mois. On a perdu un général, on va en refaire un. Oh, il est bon. Oui. Voilà, du coup on gagne pas mal d'argent. On va rembourser les emprunts et voir ce qu'on peut faire dans l'Empire. Mais c'est toujours pareil, quoi. Ça me coûterait combien de briser les liens royaux? Je perds un de prestige? Ah bah ouais, ça va, c'est tranquille. Et on va dissoudre l'alliance. Ah putain, ils ont eu... Ils ont eu un Autrichien. Habsbourg.
On va dissoudre l'alliance. Ce qui veut dire qu'on a une trêve jusqu'en 44 aussi. Bon, ok. Ok, on a légitimé tout ce qu'on avait à légitimer. Niveau emprunt, on en est où? Et on va enlever la garantie, j'ai oublié. Voilà. Niveau emprunt, on en est qu'on en a 3. Ok, par contre, alors attends. Je prends un focus admin, ouais. Et on a dit qu'on partait sur aristocratique. Ouais. Donc, ça peut être utile de commencer à stacker les points. Ligne de limite terrestre, ouais. Séparatiste, ouais, ok, on va mettre une arme dessus. Vous, vous allez pouvoir vous entraîner du coup. C'est pas que je veux pas faire la guerre, mais c'est que j'aimerais rembourser ces emprunts. Parce que c'est vrai que si on attaque Cologne, c'est pas venir grand monde, mais par contre. Ouais, quoique. Bah non, si on a 37, 32. Ah, elle est trop notre expansion agressive. Sinon, pour voir, il y a des mecs. Religion d'État catholique. Religion d'État protestante. Expansion agressive, on a 25% en moins. Sauf que Geldor, je pourrais pas y aller. Freeze, par contre. Ça fait venir Brunswick. C'est la même chose avec du prestige en moins. Brunswick, Clève et Dithmarsh. Ok. On pourrait essayer. Ah, ici, tu vas me refaire un dixième navire. Tu me prends pas un commandant, il n'y a pas besoin. Module d'entretien terrestre, oui. Alors attends, on va calculer pour voir. Entretien des armées, on va dire 1,8, voilà, les 1,7. Enfin, 17, donc 1,7 pour les 10% en moins. Et on va faire du coup très plus cher que ce que tu nous rapporterais. Améliorer qui, hein? Orléanais, on s'en fiche. Putain, tout le monde vote pour nous là. Depuis que l'autre il a pas d'héritier. On peut améliorer avec toi. Accueillons les points, carrément. Et ah si, je peux Geldor passer. Ah ouais, non, tu coûtes rien. Ok, elle revient là. Notre théologien est mort. Réduction. On a de l'inflation, non? Ouais. Attends, je sais plus si c'était lui que j'avais sélectionné. Réduction annuelle de l'inflation. Mais t'es un peu vieux, hein, 49 ans. Bon. Tu vas nous rapporter un peu. Tu vas surtout faire baisser l'inflation. Et donc, si je t'attaque, t'es tout seul. Ok. Et je crois, si je me trompe pas, bon, les provinces on va les convertir. Convertir en notre pays, ça pourrait être l'occasion. C'est un petit pays. Reste-y, guerre des paysans en France. Cologne qui nous insulte. On vient d'améliorer la relation avec vous, bande d'enfoirés. Prendre du prestige, je m'en fous du réseau d'espion. Et donc, juste pour voir. Ça fait chier du monde. Hein. Ok, alors ce qu'on peut faire par contre, c'est ça. Imposer la religion. On prend ton argent.
Les repas de guerre, le transfert de puissance, et puis c'est à peu près tout. Ouais. Ce qui fait qu'on a... ça c'est fait. Ça c'est fait. Comme dépendance, plusieurs colonies, bof. Ça, ça va être fait. Ça va pas être fait. Et obtenir le bonus de commercial de la soie. Soit de la soie, soit des épices, soit des porcelaines. Je sais pas comment on obtient ce bonus, mais ça m'étonnerait qu'on l'ait. Ah, la soie peut-être, on en a pas mal. Mais je sais pas comment on l'obtient. Bon, on fait le boulot de l'empereur là. Pourquoi il gagne pas de... des princes hérétiques? Ouais. Pourquoi qu'il meurt maintenant en fait, hein. Ce serait très très bien. Oh, il a 20 ans. Et nous... Brégance, un tas de revendications, je sais plus. Non. T'es qui ça, Memmingen? T'es un électeur ou pas? Non. Memmingen. On pourrait demander à Brégance de faire une revendication ici. Ça c'est qui? Là, logiquement, ouais, je suis pas passé à... Donc, on pourrait faire un réseau d'espions ici, histoire de rejoindre. Ouais, c'est pas grave. Insulte diplomatique contre la France, ouais. Oui, c'est... Mulhouse. Donc toi, tu peux continuer à t'entraîner. Ici, en 42, on perd ça. Qu'est-ce que je prends? Prestige. Réduction annuelle d'inflation, c'est bien. J'ai pas vu la bulle pontificale. Absolutisme annuel plus... Ouais, bon. Perte d'entraînement militaire. Baisser. Agitation des provinces catholiques, ça c'est bien. Est-ce que les ordres, on peut vous demander? Pas grand chose, on peut faire ça, on va voir ce que vous proposez. Manufacture dans le Dijonais. Alors ça, j'ai jamais compris. Ah si! On peut essayer de vassaliser Utrecht. Pff, bof. L'expansion agressive ou un atelier à Namur, oui. C'est possible. Oh, oh. Ouais, tant pis, vas-y. Je pense qu'on va pouvoir aussi leur commencer à leur virer des trucs aux nobles là. Genre les productions. En quelle année? En 34. On va récupérer les productions là parce qu'on gagne trop peu avec ce qu'on a. On a déjà pas mal de mercantilisme, je pense. Ouais, 40, c'est pas trop mal. Oui. Et on va prendre du coup... Puissance émissionnaire, oui. Et tolérance envers les hérésies, oui. Et là-dedans, nous allons prendre les doctrines aristocratiques. Très bien. Niveau tech, on a du retard. Ouais, on admin. Ouais. On changera le focus quand on aura récupéré le retard. On va voir si Brigance fait quelque chose ici. Cool. Ça me donne quoi? Manufacture navale, portée coloniale, ouais. Ici, on va revendiquer Bad.
Ah, il me faut 35. Est-ce que je dois déjà avoir ça? Ouais. Oui. Parfait. Et combativité de la cavalerie. Non, coût de la cavalerie, combativité, très bien ça. Et du coup, on a, j'ai pas lu, efficacité commerciale, bien. De base, on a du moral terrestre, d'accord. Le peuple est heureux. On est grandement, grandement content. On va pas... Ouais, on va pas prolonger monopole. C'est en combien, t'as dit? Fin d'année, 1er décembre, d'accord. Les rebelles seraient bien pop. Je vous le dis. Ici, c'est en 35, août 35, d'accord. Faut que j'y pense. Diamant du Nouveau Monde, la France gagne des pierres précieuses, on est ravis pour elle. Purge de l'hérésie. Ah. Ah. Je suis pas diplomate, ouais. Ah, mais on est en trêve. Ouais, j'ai le temps, quoi. Alors du coup, on va améliorer... Putain, tout le monde nous kiffe, il a toujours pas d'héritier, le gars. Et non. Qu'est-ce que j'attendais, je sais plus. 6,35. De réseau d'espions pour revendiquer ça. Bad et Wittenberg. Oui, non, tu peux revenir. Ensuite, alors attends, montre-moi mes revendications. C'est quoi ça? R. Oh, bah, je peux retenir. R, c'est les revendications. Ok. Utrecht, t'es Cato. Donc, l'empereur viendrait. Toi, t'es pas Cato, mais on est en trêve. La Frise. La Frise à réfléchir, mais ça là c'est vraiment pénible, cette expansion agressive. Et si je tape sur Cologne? En fait c'est que je peux le faire, je peux taper sur eux, mais mais après je peux rien prendre, donc je vois pas l'intérêt, je préfère laisser descendre... Une église en Orléanais, Frise est une dépendance. Vas-y, prends ça, c'est pas grave. Ok, donc les monopoles, tu m'as dit en décembre. Voilà, hors de question, hors de question, hors de question. On les vire. 1, 2, 3, et là. Août 35, ok, donc on va voir la production. Ah, ben on vous attendait plus les gars. Impeccable, alors attendez 2 secondes, je regarde où j'en suis dans l'épisode. Ok. Un mariage royal rompu avec le Palatinat. On accède de production, c'est pas foufou. Je m'attendais à beaucoup mieux. Ok, on peut reposer un mec ici. Attends, je viens de penser à un truc. Embargo subi la Suède. Tu m'as rivalisé? Pourquoi j'ai un embargo la Suède? Je sais pas. Là, je sais même plus si je t'ai mis un embargo ou non. Ouais. Toi, c'est en 44. Les trêves là, elles commencent à être longues. Hein. 41, Wittenberg. Dauphiné 43. Hein. Pirate cherche à rentrer dans le rang. Oh, oui. Purge de Rézier contre la Suisse. Génial. Et je vois qu'il a. Non. Ben non, il. Il gagne plus de points. Il faudrait juste qu'il meure.
Et là on devient empereur. Et derrière on est tranquille. Ce serait vraiment cool que tu meurs mon petit. La mort du souverain, membre de la maison de Bourgogne, montera sur le trône. Clave fait un réseau d'espions chez nous. Vous osez? Je sais même pas où vous êtes, Clave. C'est vous? Non? C'est vous? Ouais. T'es quoi? Ah, bah, parfait. Ah. Tu vas venir le Cologne et le Palatinat. C'est pas génial, par contre. Là aussi. Bon, en Cologne, on les compte pas. Eux, on a une méga trêve. La Suisse aussi. Wittenberg. 41. Au pire, on les réattaque direct. Et derrière, c'est faisable. Hein. Ouais, et on va sauter sur Cologne. Au moins pour prendre une province. On verra ce qu'on récupère en, au max, mais... Mais c'est pas grave. Oui. Orléans a accepté de partager ses cartes. Attends, tu t'es quand même pas allié à Castille? Non. Il y a des Valois partout, t'as pas d'héritier, ok. Ouais, on va le faire. Hein. Attends, on traque ceux. Et qui d'autre? Lip, je sais même pas où t'es Lip. T'es là, oui, bon, ok. Prendre Lousse. Ok, et on va s'arrêter là pour cet épisode. Ce soir ou demain, je sais pas pour où on en est dans la diffusion. J'ai eu peur. J'ai vu l'Autriche rassembler des troupes. T'es en guerre ou pas? Non. Mais on fait cette guerre, là, va être rapide. Hein. Laisse-moi juste voir Lip. Protestant, on va t'imposer la religion. Utrecht, Cato, on va te demander des sous. Et puis ce sera à peu près tout. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour la suite. Salut à tous.